んにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。 Le 9 février vers 15h30, la police préfectorale d'Okinawa recevait un coup de téléphone glaçant. Une femme à la voix très calme disait au bout du fil « J'ai tué mes enfants, vous pouvez venir m'arrêter ». Indiquant habiter dans la base militaire de Miyakojima, les policiers ont trouvé une femme de 39 ans, pétrifiée et muette, entourée d'officiers des forces d'autodéfense terrestre devant une résidence du complexe militaire. L'ambulance arrivée avec les forces de l'ordre a trouvé deux jeunes garçons de 3 et 5 ans sans vie, couchés dans leur lit. Des traces de strangulation sur les deux corps corroborent les aveux spontanés de la mère, visiblement ivre et déboussolée, qui n'a opposé aucune résistance lors de son arrestation. L'officier supérieur de la base militaire a déclaré que la femme de sous-officier traversait une période de crise intense depuis quelques semaines et que son mari, en mission au moment des faits, en avait référé à ses supérieurs. Les enquêteurs et la police militaire doivent maintenant définir les raisons d'un tel acte et les responsabilités des uns et des autres. Rappelons que la meurtrière présumée, bien que femme de militaire, dépend de la juridiction civile de sa préfecture, contrairement aux soldats et conjointes de soldats américains qui, eux, dépendent de la justice américaine et ne sont que très rarement inquiétés pour les crimes qu'ils commettent sur le territoire japonais. Affaire à suivre. Le 8 février 2021, la police métropolitaine de Tokyo avait une affaire très délicate et bien étrange à l'ordre du jour. Dans la matinée, Tanimura Yomi, 55 ans, la chanteuse chérie des années 90 et interprète du classique Gambare Broken Heart, était admise aux urgences pour de multiples fractures aux bras et aux jambes. Plus tard, dans la matinée, elle accusera son mari Harada Iko, 72 ans, de l'avoir frappé avec un club de golf suite à une dispute conjugale. Il convient de rappeler également qui est Harada. Homme d'affaires et ami des politiques, ce milliardaire fut le directeur général d'Apple Japan entre 1997 et 2004, réussissant à imposer la marque auprès du public et des administrations, empochant par là même les plus grosses dividendes de l'histoire du pays. Puis en 2004, il reprit les rênes de McDonald's Japan, restructurant totalement la marque et doublant en 9 ans le chiffre d'affaires sur le territoire. Il en quittera la présidence en 2013 avec le plus gros chèque de l'histoire du pays. Ne pouvant se détacher du monde des affaires, il accepta en 2019 l'offre de Gongcha, le Taïwanais leader du bubble tea en Asie, et prit la tête de la direction japonaise de la marque, l'imposant dans toutes les villes en moins d'un an. Mais malgré cette success story, Harada traîne derrière lui une vie personnelle plutôt sombre. Alcoolisme, accointance avec les yakuza, violence répétée envers des serveurs de restaurants et des employés de maison, il avait également négocié un divorce à coups de millions lorsque sa première épouse l'avait accusé de violence répétée. Marié depuis 19 ans à la chanteuse Tanimura Yomi, le couple connaissait des hauts et des bas depuis les infidélités révélées du septuagénaire milliardaire avec de jeunes starlettes. La victime affirme que les violences du 8 février ont été déclenchées par une dispute entre époux, comme ils en ont régulièrement, mais que l'alcool aidant, il serait devenu fou après qu'elle lui ait posé un ultimatum concernant sa relation avec une très jeune chanteuse. Frappée à 6 reprises avec un club de golf à la cuisse, au tibia et au bras, elle affirme que son mari l'aurait tuée si un employé de maison n'était pas intervenu. La victime a décidé de porter plainte entraînant l'arrestation de Harada et son placement en garde à vue. Après 3 jours d'interrogatoire et de dénégation de sa part, il a fini par avouer les faits et est mis en examen pour violence volontaire. Ami intime du nouveau Premier ministre et de nombreux hommes politiques, les médias et observateurs judiciaires parlent déjà d'un probable acquittement de l'agresseur ou, au pire, d'un arrangement financier. Affaire à suivre. «
Le 8 juillet 2020, la police de Kakamigahara, dans la préfecture de Hifu, trouvait le corps d'un homme sans vie, caché dans un fossé le long d'une route qui mène vers un hippodrome et baignant dans quelques centimètres d'eau de pluie. Après identification du corps, la victime s'avéra être Matsuoka Yukihiro, 32 ans, chauffeur poids lourd et sans antécédent judiciaire. L'autopsie révélera que l'homme avait été battu à coups de poing et de barres de fer, puis, inconscient et couché dans ce fossé, s'était noyé suite à de fortes précipitations. Après enquête de voisinage et auprès de ses collègues de travail, un suspect se détacha du lot. Asano Yoshihiko, 56 ans, compère de paris sportifs de la victime. Niant farouchement toute implication dans cette affaire et fournissant un alibi pour le jour présumé du meurtre, le 6 juillet, il sera finalement confondu par une caméra de vidéoprotection providentielle le 26 janvier 2021. Placé en garde à vue pendant 15 jours, et niant farouchement malgré les preuves, il a finalement avoué son acte le 10 février. Joueur compulsif et malchanceux, il avait perdu de fortes sommes aux courses de chevaux et de vélos et avait dû s'endetter auprès d'un groupe yakuza qui le menaçait s'il ne le remboursait pas très vite. Au début de l'été 2020, il avait emprunté une forte somme d'argent à son collègue Matsuoka qui le pressait de le lui rendre pour préparer son mariage. Incapable de rembourser et à nouveau endetté, il dit avoir été obligé de corriger son collègue pour calmer ses ardeurs créancières, mais nie avoir voulu le tuer. D'autres membres de leur groupe d'amis, qui, comme Asano, fréquentaient les champs de course, sont actuellement entendus par la police pour tenter d'établir l'intention de tuer, voire la préméditation. Affaire à suivre. Le 29 janvier 2020, comme tous les matins, une équipe de nettoyage professionnel se rendait dans une résidence pour y nettoyer un appartement vide, en attente d'être reloué. Dans ce meublé d'une résidence de Katsushika à Tokyo, les nettoyeurs devaient jeter les meubles et l'électroménager laissés là par les anciens locataires, ici, une mère et sa fille expulsées après un an d'impayés. Mais en ouvrant le congélateur bahut installé dans le cellier du rez-de-chaussée, l'employé a eu une surprise inhabituelle. En effet, il y découvrit le corps congelé d'une femme aux cheveux blonds vêtue d'un manteau de ville et recroquevillée sous un rideau de douche plié. Il avertit la police vers 2h de l'après-midi, signalant qu'il avait trouvé quelque chose qui ressemblait fort à un corps humain. Arrivés sur place, les enquêteurs ne purent que constater l'évidence et se lancèrent à la recherche d'informations sur les anciennes locataires. L'appartement est étonnant de Madame Yoshinoetsuko, 80 ans, qui semblait y vivre avec sa fille Yumi, âgée elle de 48 ans. Partie sans laisser d'adresse, la police émit un avis de recherche, puis, après identification du corps comme étant celui de la mère, un mandat contre la fille. Elle fut arrêtée le 5 février dans un petit hôtel de Tiba et placée en garde à vue. Elle ne nia pas la possession de cadavres et s'en expliqua. Employée à mi-temps dans une épicerie, elle ne devait son salut immobilier qu'à sa mère et à sa retraite, mais voilà, en 2010, la vieille femme mourut dans son sommeil et Yoshino, la tête sur les épaules, décida de conserver son corps quelque temps pour ne pas perdre l'appartement et la pension. Elle avait acheté un congélateur uniquement dévolu à cette fonction, mais ne pensait pas devoir le garder si longtemps. Licenciée à cause de la crise du Covid, elle s'était retrouvée sans emploi et sans ressources et utilisait la pension de sa mère pour vivre, cessant de payer le loyer sans se douter qu'elle risquait l'expulsion. Elle dort maintenant en prison, répondant aux accusations de fraude administrative et détention de cadavres. Elle risque 8 ans de prison. Affaire à suivre. Le 29 janvier, vers 17h55, trois jeunes collégiennes vinrent signaler un vol au poste de police de leur quartier d'Haïti. Un homme venait de voler leur sac de sport dans le panier de leur vélo pendant qu'elles achetaient un goûter dans un convenience store. Très vite repéré sur les caméras de vidéosurveillance, l'homme fut identifié et arrêté dans sa maison de Ishiki, à quelques pâtés de maison du larcin. L'individu Takeuchi Yuzuru, 47 ans, célibataire et agent de sécurité, avoua les faits sans rechigner et autorisa même une fouille informelle de son petit appartement. Les policiers y trouvèrent plus de 500 uniformes de sport et d'école, des agendas scolaires et des cartables réglementaires rangés dans des pochettes ou accrochés au mur.
Interrogé sur ses mobiles, l'homme avouera une tendance perverse et une impossibilité à contrôler son désir sexuel, non pas pour les très jeunes filles, mais pour leurs vêtements. Affaire à suivre. Non, en fait, non. Et pour ce deuxième coup de pouce, on va parler tatouage et cinéma. Pour commencer, il faut absolument que je vous parle de la chaîne de Michael de Poissy. Oui, je sais, vous l'avez vu et apprécié dans la quatrième partie de la série Yakuza, où il m'a fait l'honneur d'apparaître brillamment. Vous le connaissez tous comme le boss ultime du tatouage à la française, mais c'est sa chaîne que je vais vous présenter aujourd'hui. Si, comme moi, vous vous intéressez au tatouage et à son histoire, à sa sociologie, et que vous aimez les narrateurs passionnés et captivants, vous trouverez tout pour vous combler de bonheur sur sa chaîne. De l'histoire des apaches de Paris au tatouage et à la vie extraordinaire de Constantinus, en passant par les tatoueurs parisiens de 1900 et tiens, le tatouage japonais, ça a l'air bien ça. Alors allez vite vous abonner à sa chaîne et parlez-en autour de vous, vite, vite, vite. Allez, allez. Deuxième coup de pouce, la chaîne de Jonathan Asia, oui je vais prononcer comme ça, qui, comme son nom peut l'indiquer, parle de cinéma asiatique. On y discute cinoche et série simplement et sans prétention, juste pour partager la passion. Des classiques indémodables du cinéma de Hong Kong à quelques aliens filmiques thaïlandais, les nouveautés et du rétro qui fait plaisir, le gars aime et connaît son sujet et le partage sans prétention, juste pour faire plaisir. Sa chaîne compte actuellement un peu plus de 500 abonnés, alors allez-y, abonnez-vous et vous y découvrirez sans doute pourquoi dans les années 90, j'ai poncé le catalogue HK Vidéo. Si vous aussi vous avez une chaîne YouTube qui traite de true crime, de cinéma de genre ou de tout autre sujet en rapport avec les thématiques de Satudin, n'hésitez pas à me présenter votre travail et si ça me plaît, vous passerez dans coup de pouce. Voilà. Avant de vous laisser, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et sur Utip, et encore et toujours un merci éternel à ceux qui le font déjà. Mon dernier livre est toujours en vente un peu partout. Je vous rappelle aussi que vous pouvez en acheter une version dédicacée en vous adressant directement à moi par MP sur Instagram ou sur Twitter. Allez découvrir mes t-shirts sur la boutique Spreadshirt de la chaîne, vous verrez. L'été se prépare dès maintenant si vous voulez être les plus classes de la plage. Rejoignez-moi sur Twitter, Instagram et Facebook. J'y organise souvent de petits concours pour gagner des jeux et des livres et communique pas mal sur les vidéos et les projets. Et surtout, surtout, rejoignez l'unité Satsujin, l'espace membre VIP qui regroupe les humains les plus incroyables de cette planète. Du contenu exclusif, des cadeaux, tout pour être heureux. Cette fois, j'y vais. Matane! Sous-titrage Société Radio-Canada.
Thank you.